No, let me tell you. I don't want a nightstick up the ass. Il s'est barré, putain. Non. Wouh. Bon allez, on va essayer de le faire avec ce peu de vie là. On va voir ce que ça donne. À mon avis, je suis mort. Hein. Si je suis mort, je serai totalement sur la caméra. Eh, je suis trop con. Ouais, bon. Bon. Bon, on la retente comme ça. Ah, je suis à Walp. Bon, allez. Ouais. Bah, elle apparaît où? Bon. Je sais pas pourquoi, à mon avis, elle est apparue sous la map en fait. J'ai l'impression. Sanfiru, la ville du bug. Honnêtement, la ville du bug, ouais. C'est quoi, c'est la Gay Pride ici? Ouais, les drapeaux comme le drapeau gay, la Gay Pride. C'est quoi cette ville de pourrie là? C'est quoi cette rue? Ah. Je vais arriver. Voilà, bon. On y est. Remarque aussi, j'aurais pu recharger la partie, ça aurait été plus vite. Hey Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. In Torino? Pourquoi on fait toujours un temps si pourri ici? Voilà. Ouais, je commence à rager, ouais, ça s'entend. Ouais. Magnifique. J'ai aussi à signaler que je vais m'attaquer à un héliport à poil.
What the fuck? J'ai pas d'armes. On a tout fait. Ok. Alors, on peut aller sauvegarder. Ouais, allez, je vais aller juste sauvegarder. Je vais juste sauvegarder, puis on, puis moi, j'allais faire une pause. Honnêtement, parce que. Oui, je sais. J'ai pas fait la dernière mission à l'Égypte, mais honnêtement, le. Tout ce qui est course là en bateau, en hélico, vous êtes sympa, mais voilà. C'est l'horreur les courses poursuites comme ça. C'est quoi ça? Ah, c'est Woozy, ouais. Bah, on va se regarder tout près de Woozy, puis on fera l'émission de Woozy plus tard. Et j'en profitais aussi pour me remettre des fringues. Voilà. On est quand même mieux comme ça. Je passerai également hors caméra un Armination pour refaire le plein d'armes, parce que là c'est juste l'horreur. Non, honnêtement c'est chiant, enfin c'est truffé de bugs, cette version remasterisée. Honnêtement au départ j'étais vraiment enthousiaste pour y jouer, parce que je me disais voilà, c'est Andreas avec des graphismes HD, honnêtement ça valait le coup, honnêtement, revoir GTA San Andreas avec des meilleurs graphismes. Je me suis dit, ça serait génial. On l'a, et c'est truffé de bugs. Des bugs graphiques, des bugs de lancement de cinématique. On a même maintenant des bugs de cartes. Non, honnêtement, c'est... Ça gâche tout, quoi. Bon, écoutez, moi je vais faire une pause, et puis ben, je vous dis, ben, à bientôt certainement, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui, ouais, ok, allez, je vous reprends pour moi la semaine prochaine. Très bien, et bien nous nous retrouvons donc pour moi une semaine plus tard, et okay, ben, c'est parti. J'ai normalement compilé tous les épisodes, ils sont pas encore en cours d'upload au moment où je tourne, mais ils sont prêts à partir sur YouTube. Donc je crois qu'on est à l'épisode 11 ou 12, je sais plus, le 12 je crois. Et on va commencer l'émission de Woozy. Oh, le bug de texture. Easy, man. Ah, I'm here to see Woozy. Oh. Upstairs. Stupid ass motherfucker. Come on, come on, Stone. Come on.
I'm Johnson. I'm here to see Woozy. I work with him. Yes, right this way. You know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. I keep that in mind. Good. Oh là là, c'est chiant ces bugs de texture. Woozy! Hello, Carl. Hey, what's happening, Woozy? No, how you doing? Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Plowboys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As Daidailo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me, and you'll see how we triads settle things without recourse to unnecessary violence. All right, I'll ride with you. We'll need a ride. Mine's getting some body weight. All right, don't trip. Bon, une caisse, bon, on va prendre la mienne. Elle a disparu, ok. Voilà. Non. Monsieur l'agent, non, c'est ma voiture. C'est pas possible. Bah allez, monte. Getting some body. All right, don't trip. Taste your fear. Non mais Woozy. Oh bordel. On va y aller à pied, hein, parce qu'apparemment il arrive pas à monter dans la voiture, je sais pas pourquoi. Normalement c'est une voiture de place, hein, la voiture de course. Bon, c'est bon, ouais, il me suit à pied, donc c'est bon. Excusez-moi. Juste en... D'accord, je n'ai que ça en arme, je ne me souviens plus. Donc on va garder la K-47. C'est la K-47, ça. Ouais. Par là on peut rejoindre? Non. Pas. Back off. How do I fit in all of this? You're an outsider. Eh ben raison de plus. Pourquoi un étranger? Bon.
This is a place. Come on, it's this way. Hey, what's with all these people? Where they going? Something isn't right here. We should be careful. Follow me. What's wrong? You lost? You need a hand? No. I was just, you know, getting the feel of the place. Stick close. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler avec une personne aveugle. Ah, we're here. Et clairement, en fait, dans mon métier d'informaticien, en fait, j'étais plus ou moins formé en fait à ce qu'on appelle l'accessibilité numérique. Donc, faire en sorte que les applications web, notamment, soient accessibles aux personnes aveugles. Et je dois avouer que ça change le regard sur le métier. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Shit! Here they come again! The triads must defend you! C'est pas des flèches. Voilà. Voilà. Bon. Non, la voiture qu'on doit prendre, elle est... Ah, d'accord. Le con. Oh, je l'ai pas vu. Oh, j'ai pas fait attention à ma vie. Oh, le con. Bon, on n'a rien vu. Je coupe. Très bien. Alors, on est reparti. Quel con. Bon, lui, il est en... N'importe quoi. Mais quel con, je tire sur lui. Voilà, on va crever tous les deux, comme ça c'est fait. Bullet.
pas vu. Il en manque un. We got more company. Réfléchir à un piège qu'on pourrait leur tendre ou... Ouais. Essayez ça. D'accord, ils ont l'air perdus quand on est ici. Quel con. Eh merde. On recommence. J'ai du mal à me mettre dans le bain. Hein. J'ai beaucoup de mal à me mettre dans le bain. Donc, bah, troisième essai. Bon, on est reparti. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Oh. Bon. Va bien finir par y arriver, hein. Quatrième fois, c'est parti, je recoupe. Bon, j'y suis arrivé. Alors, par contre, je suis à pattes, hein, parce qu'ils ont encore explosé la bagnole. Et puis, bon, bah... On y est, on y est. Ok, bordel. Hey, normalement c'est la bonne, hein. Here, a token of the Tong's appreciation for what you did today. Oh, un petit bug à la fin. Aïe, 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 quel carnage. Bon. Attendez, alors, juste un petit moment. Voilà, je suis de retour. Donc... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Enfin, ce que j'ai fait avant de refaire la mission pour la... 9e fois, je crois. Parce que j'ai refait la mission plusieurs fois et puis j'ai coupé. Hein. J'ai pas... Voilà, vous aurez pas les 3 derniers essais. Donc... Comment ? Oui, donc voilà. Donc ce que j'ai fait avant de faire la dernière fois, j'ai été faire un tour en ville, j'ai été récupérer un gilet pare-balles, j'ai été
comment j'ai... Donc j'ai récupéré un gilet pare-balles, j'ai récupéré le... Comment? Et j'ai récupéré toute ma vie avant de faire toute la... avant de faire cette mission. Enfin voilà. Et la preuve en plus c'est que j'ai même pas été touché une fois ce coup-ci. Donc j'ai fait un perfect sur la dernière mission à force de la faire. Oh la gueule. How you doing? Ah Kong has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Bloodfeather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Bon, j'espère que ce coup-ci ça va aller plus simple. J'ai pas sauvegardé entre deux. J'espère que ça va aller. On va la faire sans sauvegarder entre deux. Alors j'ai vu, oui, qu'il y avait une voiture en face. En fait, c'était celle-là qu'il fallait prendre à la mission précédente, mais je l'ai pas prise. J'ai préféré faire le trajet à pattes. Ça durerait pas plus longtemps. Alors. J'espère juste que le jeu va pas cracher. Sinon je dois faire les deux missions et j'ai pas envie de refaire la première. Clairement pas. Bon, direction l'aéroport de San Fierro. J'ai brisé des os là. Bon. Wouh. Il y a un petit tonneau. Il y a un deuxième. Eh merde. Bon. Salut. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'école de conduite à faire aussi. On la fera peut-être après l'émission de Woozy. On va couper à travers champs, hein, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Ouais. C'est plus grand-chose. Ah oui, j'ai récupéré ça aussi pendant l'attaque. Ça, c'était les armes qu'avaient les Viet qui nous ont attaqué. Et c'est pas raciste, hein, c'est vraiment les viettes dans le jeu. Hein. Bonjour madame. Bon. Bonjour madame, vous avez pas une soeur jumelle? Bon, c'est par où l'aéroport? La carte. Ouais, c'est tout droit. C'est pas à côté. Hein. Bon. Ah, pas pris. Ça fait disparaître une voiture, tout va bien. C'est pas plaisir. Bon. Hashtag le boulet quoi. Je peux pas passer par là. Bon, ils vont me lâcher la grappe rapidement. Ah ouais, c'est ça.
Attendez, pas de bêtises. Comment on sort, embuscade, t'as vu la gueule de l'embuscade. Je crois qu'on va y survivre à cette embuscade. Ça va, normalement facile cette mission. Hein. Normalement facile. Ouf, d'accord, ok. C'est quoi cet accent méga cliché? Monsieur l'agent, on me tire dessus. Rapidité de cette voiture, accroche-toi. He's getting away. J'ai 4 motos qui sont là. Attends. T'aurais pu me donner une bonne voiture quand même pour ça. Hein. Eh vas-y, comment il tombe pas là? Il a mis de la super glue sur son cul ou comment ça se passe? Eh galère! Bon. Bon, ben écoutez, on va y retourner, hein. De toute façon, elle va être détruite. Non? Voilà. Bon, et ben j'y retourne et puis ben, alors je sauvegarde avant et puis ben on y retourne. Hop, ça me garde. Wow, pourquoi ah, d'accord, ok. Hey, Caesar. The Yay leaving San Pietro. Parce que je recevais un coup de fil en même temps, bah dis donc. Non. Bon allez. Ce coup-ci je sauvegarde. Voilà. Parce que j'ai reçu un appel au moment où je rentrais, ben dis donc. Allez, on recommence. Je coupe pour le trajet jusqu'à l'aéroport.
Bien, on est de retour. Ce coup-ci, c'est la bonne. D'accord, ok. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu moins organisé la première fois. Là. Ouais, ah oui. Attends. Alors, juste, je vais voir où faut que j'aille. Où est-ce que je dois aller? D'accord. Donc en gros... Attendez que je dise pas de bêtises. Ok, donc je sors. Quand je sors... ici... Ah, attendez. Non, en fait, il faut que quand je sors, je prenne la première à droite et que je prends la première à droite ici et je suis ça. Et là, il faut que je prenne l'embranchement à droite quand je serai ici. Ouais, à mon avis, c'est ça. Attendez. Voilà, je vais juste zoomer. Donc ici, je me fais le plan de route, hein. Ok, ouais, et puis donc ici, il faudra que je sorte. Ok, très bien. À mon avis, le trajet, je me suis compliqué la vie quand je suis sorti, en fait. C'est pas là. C'est là. En fait, il faut que je prenne la même direction que la moto, ici. Ok, et là c'est tout droit. C'est tout droit jusqu'au bout. Hein. Con. Par contre, faut pas que je plante la bagnole, ça serait bien. Vache, mais c'est des tanks qu'ils ont, c'est pas des motos. Moto chinois, c'est pas vrai que c'est aussi solide, hein. Ils ont habilité moto maximale, c'est pas possible autrement. Bon, de toute façon, oh la vache. Bon allez. On s'en fout, on l'a fait. Oh puis c'est cool, j'ai pas de trajet à faire en plus, c'est cool. Voilà, c'est cool. Bon. Apparemment j'ai encore une mission de bougie à faire, tout le monde est bon par contre. Puis j'ai augmenté mon habileté au volant. Oula. Ce saute mouton. Et c'était parti la voiture. Ouf, toi t'as eu la chance.
Bon, je sais pas, il y a eu un problème avec le téléphone. Allez. Ok. Voilà, on se remet comme ça. Fait toujours un temps dégueulasse à... à cette firme, c'est dingue. Allez, mission suivante, c'est quoi? Lure. As honored as I am to share my home with you, we should lure these lizards out into the baking sun. We were followed here. The Da Nang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Won't you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses? No offense. None taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. Ok. Ah ouais, je me souviens de celle-là. Ah, c'est chaud. Il faut que j'aille jusqu'à Angel Pine. En plus, elle est longue. Elle est ultra longue, cette mission. Parce que là, je crois qu'il faut que j'aille jusqu'à... jusqu'à Angel Pine. C'est ça. Et écoutez, je crois qu'on va couper, hein. Je crois qu'on va couper. Donc, à tout de suite. Bon, ok, on y arrive. Je suis arrivé à peu près sans dégâts. Oh, le gros logo Chevrolet, je l'ai pas vu. D'ailleurs, c'est bizarre parce que j'ai eu des... j'ai percuté la voiture et pourtant... elle est intacte. Ouais, à mon avis, elle doit être protégée des dégâts pendant le trajet. Ou alors, avec cette version remasterisée, les dégâts s'affichent pas sur cette voiture-là. J'en sais rien. Ouais, parce que je suis censé normalement perdre les portières. Perdre les portières dans cette mission, je m'en souviens. Et... C'est moi ou je regagne ma voiture regagne de la vie. J'ai l'impression que j'ai gagné un peu de vie. Par contre, les dégâts ne s'affichent pas sur ma voiture.
bah cette mission est un succès. Ah non, je pensais que c'était le dernier point. Vraiment, je dois arriver à une station service si je dis pas de bêtises. C'est ça. Johnson, it's Guffy, are you okay? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfi Lee, get out alright? Yes, Woozy has taken him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later, man. It's Decoy! Back to Chinatown! Alors, je vais être sûr d'un truc. Je vais être sûr d'un truc parce que c'est pas normal que la voiture n'affiche pas les dégâts. Ah, raté. C'est quoi ça? Ah, ça reste un cas. C'est quoi ce délire? J'ai une voiture indestructible. Cette voiture dans le jeu est indestructible. Et j'ai pas activé de cheat, j'ai rien activé, hein. Ah si, non. Très peu, j'ai l'impression. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Je vais essayer de retourner à Chinatown avec. Bizarre. Que je devrais avoir des dégâts qui s'affichent, quoi. J'ai pas de dégâts qui s'affichent. J'ai l'impression que le capot s'est légèrement levé, mais c'est un temps cette caisse. Je veux juste être sûr. Bon, le capot c'est ouvert. Donc à mon avis, elles doivent quand même prendre un peu de dégâts, mais rien qui s'affiche. Les dégâts ne s'affichent pas en fait sur la voiture. Enfin, vous voyez, il n'y a pas d'égratignure. Il n'y a rien. Bah écoutez, allez, en attendant. Je vais sauvegarder ici. Is that you again? Oh, Caroline. Bon. Ok. Je retourne à Chinatown et puis ben on va bien voir l'état de la voiture et si j'arrive déjà à la ramener en un seul morceau. À Chinatown. Je vais juste regarder la carte. Et puis de toute façon je vais couper hein, pour le trajet hein, parce que clairement voilà. Je dois reprendre la route qui est derrière moi, visiblement. Non, je prends tout droit, puis à droite. Tiens, j'ai passé par la route de gauche, là. Ok. Bon écoutez, je coupe et puis on se retrouve là-bas. À Chinatown. Bien, donc, on se retrouve. Alors malheureusement le jeu a crashé entre deux, donc j'ai perdu la voiture. Mais à force de lui faire des dégâts, j'ai juste réussi à lui faire retirer le capot, les deux portières, mais le reste de la carrosserie était intact. Donc je suppose que c'était fait exprès. I need something taken care of. What? Hey man, quit trying to distract me. How are you in the water? What you mean? Can I swim? Yeah. Can you swim well? No, I can't. Shit! Man! Damn! Ah, c'est la mission de nage, ouais. How you do that? C'est vrai que ça doit faire rager, ça. Ah,
merde. Faut que je m'entraîne sous l'eau. Eh ben, on va aller à Santa Maria alors. On va retourner, un petit peu à. Attendez, est-ce que d'ailleurs on les voit les. Ah non, on voit pas les trucs de gang. Bon, attendez, où est-ce qu'on peut nager tranquillement? Parce que le truc, c'est après, c'est pour remonter. Ici, c'est quasiment impossible. Après en fait il va falloir s'entraîner à nager, mais nager plus. Je ferai peut-être un time lapse sur de la nage, franchement ça va pas être intéressant. Mais ouais, j'irai bien à Santa Maria Beach, parce que là au moins je sais que l'eau, on peut aller dedans sans problème, puis remonter par la plage sans aucun problème en fait, sans aucun souci. Ou alors. On est des fous. On est clairement des fous. Et ce que je fais, c'est que je plonge ici. Tac. Et à la nage, on se fait tout ce trajet-là. Tac, 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 tac. Jusqu'à Santa Maria Beach. Et on voit déjà un petit peu ce que ça donne. Et je fais ça en timelapse. Ça vous dit ou pas? Comme ça en plus on peut voir un petit peu les côtes. On va voir un petit peu ce que ça donne. Si c'est trop pourri, vous aurez pas de timelapse. Sinon je vais faire ça comme ça. Et on va bien s'entraîner à la nage comme ça. On va bien réussir à s'entraîner comme ça. Alors attendez, par contre il m'a dit quoi? Entraîne-toi sous l'eau hein. Ah, sous l'eau. En fait, faut de l'apnée. Faut plus d'apnée. C'est de l'apnée, c'est pas de la nage en soi qu'il faut. C'est vraiment de l'apnée. Ah bah non, sinon il y a un autre endroit facile où on peut s'entraîner à l'apnée. Attendez. Faut que je m'entraîne à l'apnée, c'est pas compliqué. Enfin, c'est... Voilà. Ah, j'aime bien Shane Hayton, c'est pour ça, c'est pour les petits sauts de moutons que tu fais avec les voitures. Voilà, ici je peux m'entraîner. C'était là où j'avais récupéré le gilet pare-balles, je savais qu'il était là. Ok, de toute façon je vais couper, puis en fait je pense ce que je vais faire, c'est pas compliqué. Voilà. Par contre, le problème c'est comment... Voilà. Le problème c'est que je peux pas nager... Ah ça y est, d'accord, ok. Là on est bon, ok. Écoutez, je vais juste m'entraîner en apnée ici. Ça veut dire que je... En fait c'est ça, je vais rester sous l'eau tant que ma barre d'oxygène est à ce niveau là en fait, enfin diminue. Et après, hop, je remonte. Juste à temps pour reprendre ma respiration, puis je replonge, puis je remonte, puis je replonge, puis je remonte. Ça va pas être intéressant en vidéo. Même en timelapse ça va être chiant. Donc je vais faire ça vraiment hors caméra, et puis on se retrouve après. A tout à l'heure. Et je vais me mettre à fond. Je vais carrément me mettre à fond, comme ça, ça va être tranquille. A tout de suite. Enfin, à tout de suite pour vous, et puis pour moi. Quelle heure il est là? Ouais, bah je crois que ça va me prendre toute ma session de tournage d'aujourd'hui. Hein.
Ou alors j'active un shield pour l'oxygène. Écoutez, je vais faire ça une petite vingtaine de fois, voir un petit peu comment ça, ça gagne. Et puis si c'est trop chiant, j'activerai un shield, je pense. Parce que, voilà. Sinon on n'avance pas dans la mission et c'est chiant. A tout de suite. Bon, ok, alors je vous explique, ça fait... Ouais, une plombe que... Attends, je regarde... Ouais, ça fait bien 20 minutes peut-être. Que je fais ça. Je commence à avoir marre, clairement. J'ai plus de graisse, faut que je reprenne du poids en plus. Donc je pense qu'on va activer un shift. Tout bêtement. Il est où le Burger King là? Elle est là. La Pizza Hut, pardon. Voilà, on va juste reprendre un peu de graisse parce que sinon je vais perdre en muscle. C'est non, pas celui-là. Ton menu salade, tu sais où tu peux te le mettre. Voilà, une bonne pizza. Voilà, ça en fait 10. Ok, ça donne quoi au niveau des stats? Alors, joueur, voilà. Alors l'apnée, voilà, j'ai gagné 3 points d'apnée hein, depuis le début. Non, voilà, hop, alors, en graisse on est à moitié, donc c'est bon, clairement. Muscle maximum...